parti pour ta manifestation sous la constellation du poisson. De mon poisson d'amour. Bah oui, en fait. Ok, qu'est-ce que tu manifestes? C'est notre 6e activation. Tu verras si tu reconnais ta manifestation. Si tu veux t'y syntoniser ou pas. Exhausted. Ooh, feel financially drained, lacking viable options, recharge and regroup. Tu manifestes une pause apparemment, t'es fatigué, t'es épuisé, tu te sens drainé jusque sur le plan financier pour certaines d'entre vous. Et puis pour d'autres, vous cherchez d'autres options, à manifester d'autres opportunités qui soient plus viables que celles dont vous disposez actuellement et... il est possible que vous manquiez de jus, quoi. Ok. Ok. Donc, il y a une pause. Tu manifestes le fait de te recharger, de te régénérer, de te regrouper intérieurement, extérieurement, de te recentrer. Tu manifestes un recentrage, apparemment. Comment? Waouh. Le 3 de coupe, c'est canon. C'est canon. Le jugement inversé. Et le 2 du denier inversé. Ok. T'as trop porté sur tes épaules. Trop. Et pas assez de joie pendant que tu le faisais. La reine du denier, le chevalier de coupe et la maison Dieu. Ouais, il y a quelqu'un que tu vas choquer. Apparemment, le 3 de coupe, depuis Sagittaire en maison 3, nous parle d'une communication que tu as l'intention d'émettre. Avec le jugement inversé depuis le poisson en maison 6, projeté en vierge en maison 12. C'est une communication... qui te permet à toi, justement, d'aller te régénérer et de repenser ton quotidien pour te permettre du repos, pour te permettre de compter davantage sur ton intuition, de prendre mieux soin de ton hygiène psychologique, émotionnelle, physique, relationnelle, matérielle et financière. Il y a un mieux-être que tu veux pouvoir t'apporter au cœur de ton quotidien. Et cette communication est faite pour signifier à quelqu'un que malheureusement, tu ne pourras pas aller dans son sens. Si finalement aller dans son sens, c'est toi déserter un quotidien que tu as besoin peut-être d'occuper avec plus de... avec plus de puissance, en fait, en prenant soin de ton énergie. Ce que tu génères, c'est le 2 du denier inversé, en poisson... non, en poisson. En lion, pardon, en maison 12, projeté en verseau, en maison 6. T'essayais possiblement de jongler. Voilà, beaucoup de relations... aux autres, aux choses, à ton environnement. Et tu dois prendre une décision qui n'est pas évidente pour pouvoir te concentrer sur un seul projet, peut-être sur des relations un peu plus rapprochées, moins élargies, pour pouvoir te proposer une reconcentration d'énergie et de redisposer de ton énergie beaucoup plus sereinement, beaucoup plus joyeusement. Il y a un projet ou une relation qui te mettait pas plus en joie que ça. Tu décides de pas donner davantage à cette relation, que ce soit à quelque chose, à quelqu'un ou à un environnement bien particulier. Là où il n'y a pas de joie, tu n'iras pas. C'est ce que tu me dis. Je peux pas me permettre d'aller là où ma joie n'est pas accueillie ou n'est pas amplifiée. Tu décides de mettre un terme possiblement ou une interruption, d'interrompre une relation ou un projet qui d'une manière ou d'une autre te stresse davantage que n'amplifie ta joie. Et là, on parle d'un mauvais stress, d'un stress chronique. Pas le stress d'un effort que tu fournis pour dépasser certaines limitations que tu t'étais imposées par le passé. On parle vraiment d'un stress qui, de manière chronique, peut venir se transformer en anxiété et venir te saboter et te siphonner complètement énergétiquement, quoi. Là où il n'y a pas de joie, aucun stress ne devrait pouvoir être accepté ou acceptable en vrai. C'est ce que tu es en train de me dire. On peut être un peu stressé et ce stress peut se transformer en excitation du nouveau départ, de la nouvelle compétence, du nouveau projet, du nouveau job, du nouveau collègue, etc., etc., tu vois, de la nouvelle relation de travail ou plus personnelle. Et cette transformation du stress en excitation nous permet d'amplifier notre joie et pas de l'entamer. Et là, tu me dis non, non, là, The Cosmic Joker est un truc, je me suis emballée en fait. Je me suis emballée, j'ai voulu donner du soutien ou m'allier ou m'inscrire dans un projet, une action de groupe, occuper un rôle au sein du collectif, au quotidien, ça me déstabilise complètement. Je peux pas continuer comme ça, en fait. C'est devenu soit moi, soit ce projet. Donc, il y a un problème. C'est ce que tu me dis apparemment à un moment donné ici. Et donc, tu y remédies de manière très efficace. Ce qui est étrange dans toute cette histoire, c'est que tu en parles à quelqu'un, peut-être à plusieurs personnes. Parmi ces personnes à qui tu en parles, on a la reine du denier. On a quelqu'un qui, depuis la scène de sa propre vie professionnelle, vocationnelle et contributive, persévère. Ouais, ok. Persévère à vivre cette scène de sa vie sans forcément en vivre beaucoup de satisfaction personnelle ni de joie, justement. C'est quelqu'un qui persévère dans un investissement professionnel, vocationnel et contributif sans que la joie soit au rendez-vous, que ce soit en elle-même comme à l'extérieur. Et cette personne, d'une manière ou d'une autre, ce qu'elle t'entend lui confier avec le jugement inversé, la séduit beaucoup avec le chevalier de coupe. Ça parle vraiment à son cœur en Sagittaire, en maison 3. Et c'est quelqu'un avec qui tu vas peut-être justement te proposer des échanges, des interactions très, très heureuses, très épanouissantes pour l'un comme pour l'autre ici, parce qu'il y a quelque chose que cette personne apprend de toi ou accepte d'elle-même grâce à ta propre acceptation que tu t'offres à toi. Et il est tout à fait possible qu'au fur et à mesure d'interactions se joue une très belle amitié et sinon carrément un émoi amoureux. C'est ce qu'on nous dit avec le chevalier de coupe ici. Il y a quelqu'un qui, depuis la persévérance à vouloir s'investir sans forcément être en joie de le faire, se retrouve à en discuter avec toi et vous apprenez à vous connaître, à vous reconnaître, à vous connaître davantage. Et cette personne est séduite parce que par qui tu es, je crois, davantage que par ce que tu lui dis, par ton énergie, par l'énergie que tu mets derrière vos interactions de ton côté. Ce que cette personne génère, c'est un changement de paradigme au cœur de son quotidien, par ton influence. C'est que, en gros, c'est quelqu'un qui tombe sur toi qui ne normalise pas le manque de joie. Toi, tu as besoin de ta joie et tu l'assumes apparemment complètement et avec plus de force apparemment à un moment donné. Et cette personne, ça lui fait se poser la question de la joie dans sa propre vie et ça fait complètement basculer une expérience d'expansion telle qu'elle se la préfigurait en vue d'obtenir, de mériter davantage de joie plus tard, éventuellement, si Dieu voulait. Tu vois l'idée, c'est un peu ça, là. Si Dieu veut, un jour, je serai en joie, mais pour l'instant, je dois me faire violence, quoi. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une violence que cette personne arrête de s'infliger à elle-même, en fait. Et donc, c'est quelqu'un qui vit un changement de paradigme au cœur de son quotidien, vis-à-vis de ce qu'elle se racontait jusque-là, vis-à-vis de comment elle se vivait dans ses obligations. C'est pas quelqu'un qui va foutre en l'air ses obligations et devenir irresponsable. C'est pas du tout le cas ici, hein, en Vierge en maison 12. C'est quelqu'un qui va redéfinir comment cette personne veut vivre ses responsabilités plus joyeusement. Il est aussi possible qu'on nous parle d'une personne qui s'investisse dans des interactions avec toi au travers desquelles toi tu lui parles de ce que tu as besoin de lui dire. Et c'est quelqu'un qui pourrait vivre un vrai coup de foudre, professionnel, amical ou amoureux. Comme ça touche votre quotidien à l'un comme à l'autre, pour certains ce sera pro, pour d'autres ce sera plus personnel. C'est assez fou. On va voir en extension quelle est l'intention, l'état émotionnel et le comportement que te projette cette personne à toi, à ton égard, et qu'est-ce que cette personne va chercher à manifester à ton égard comme à tes côtés, et puis comment cette personne contribue. Est-ce que tu te réinventes apparemment, vraiment pour le coup? Est-ce que tu puisses vivre une stabilité au cœur de ton quotidien qui puisse te permettre d'être soutenu à soutenir davantage que de chercher à soutenir pour être soutenu? Il y a quelque chose de l'ordre d'une correction, d'une inversion psychologique qui se joue pour toi, qui dans la matière, sur le plan très tangible, renverse complètement les choses, et pour le meilleur, je crois, pour le meilleur. Toi, tu fais preuve de... Ouais, pour le meilleur. Tu fais preuve de discernement sur le plan physique, relationnel, matériel et financier. Derrière, ce qui va se jouer, c'est une très belle fluidité sur le plan professionnel, vocationnel et contributif, et puis créatif aussi, surtout. Mais si tu t'arrêtes là, si tu viens pas en extension avec moi, je te fais parler cette personne quand même. Qu'est-ce qu'elle te dit pour l'instant? On continuera de la faire parler en extension, bien entendu, pour ceux qui en avaient envie ou besoin. Will you leave me like the others? Waouh, ouais, non, c'est quelqu'un qui a un coup de cœur pour toi. C'est quelqu'un qui a un coup de cœur. C'est quelqu'un qui te dit, est-ce que tu me quitteras comme les autres? Toi, t'es un bourreau d'équerre, une bourrate d'équerre. Ça se dit une bourrate? Et non, on dit une bourreau, voilà. Et puis, il n'y a pas de bourreau d'équerre au féminin. Oula. Sous la constellation du poisson, je trouverais ça riche. De me dire une chose pareille, je trouverais ça riche. Vous êtes des bourreaux d'équerre. Quand on est inondé de votre océan d'amour inconditionnel, là, et qu'un jour, vous êtes fâché et vous nous tournez le dos, c'est la fin du monde. Donc, non, non, je vous connais très bien. I can't talk to you right now. C'est quelqu'un qui ne peut pas te parler à un moment donné. Mais c'est quelqu'un avec qui vous allez vous comprendre. Il y a quelqu'un qui va te dire, je ne peux pas te parler maintenant parce que je suis en train de vivre la maison de Dieu, en fait. Je ne comprends plus comment je m'appelle. Mais tu vas comprendre quand la personne va te dire, qu'est-ce qui se passe? Comment je m'appelle? Ouais, non, non, vous vous comprenez très, très bien avec cette personne. Ouais, vous allez bien vous entendre et bien vous comprendre de manière assez, assez instinctive, presque, je dirais, en maison 12. Si vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Mais c'est quelqu'un qui vraiment aura un problème d'expression parce que le changement de paradigme est vraiment puissant. Il vient d'un état d'amour chez cette personne qui décide de faire péter ses barrières, ses restrictions, ses limitations. C'est quelqu'un qui a cru pouvoir être limité par quelque chose, par quelqu'un, par un environnement tout entier, par une expérience de son passé et qui réalise d'un coup une prise de conscience majeure dans sa vie que tout ça, c'était du vent, quoi. Et donc, si je suis libre, je m'appelle comment? Je fais quoi maintenant? Donc, il va falloir laisser peut-être cette personne un peu reprendre ses esprits au moment où ça pourrait se produire dans sa vie, à ton contact, apparemment. C'est quelqu'un de canon, hein? Non, ouais, c'est quelqu'un de canon. C'est pas quelqu'un qui cherche à être un fardeau dans ta vie ou... Justement, c'est quelqu'un qui va vouloir s'en sortir par lui-même ou par elle-même. Peut-être que à un moment donné, cette personne va te demander un coup de main, mais dans le respect de ton propre équilibre. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. C'est quelqu'un qui voudrait te revenir après t'être venu ou revenu une première fois, qui voudrait te revenir en étant le cœur léger à se présenter à toi, plutôt que de te projeter une forme de lourdeur liée à une résistance qu'elle voudrait opposer à quelque chose à quoi elle ne peut véritablement pas résister. Une prise de conscience, quand elle a lieu, on ne peut pas revenir comme avant, comme quand on n'avait pas compris ce qu'on est en train de comprendre. Tu vois ce que je veux te dire ? Non, c'est beau ce qui se joue ici. Ouais, l'as du denier. C'est une relation durable. Durable, professionnelle ou plus personnelle, mais c'est une relation qui est faite pour durer. Vous allez partager beaucoup de choses et peut-être même quelque chose de l'ordre d'une forme d'amélioration, de construction, de fructification physique, relationnelle, matérielle et financière ensemble. Si tu t'arrêtes là, quel est ton conseil? Pour ceux qui voulaient venir en extension, ça se passe sur www.thecosmicjoker.fr. Si vous en avez envie ou si vous en avez besoin, d'accord? Les extensions, elles sont vraiment là pour qu'on prolonge un moment ensemble, mais elles sont pas, c'est pas obligatoire, genre, vous ne loupez rien, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Roots, prends racine pour voir. Je sais pas trop c'est quoi ce conseil. Est-ce qu'on te demande de revenir à la racine du bien? Je crois que c'est ça ici. Reviens à la racine de ce qui te fait du bien. C'est ce qu'on te dit. Reviens à la racine de ce qui te fait du bien. Ce qui est étrange, c'est que pour se révéler ce qui nous fait le plus de bien, il faut commencer par la fin. C'est un ami qui me disait ça lors d'un dîner il y a 2-3 jours. Il me disait, commence par la fin. À la fin, quand on sera tous à t'enterrer, on ne sait pas qui est le premier, qui est le dernier. Mais apparemment, tout le monde sait que je pars avant. Donc, on a beaucoup rigolé là-dessus. On dira quoi? Si on arrive à parler, on dira quoi? Et je me suis révélée ma véritable vocation, figure-toi, à l'occasion d'un dîner absolument ordinaire avec des personnes autour de la table extraordinaires à mon cœur. Je me suis révélée ma véritable vocation, moi. Donc je te le donne. Si tu devais commencer par la fin, qu'est-ce qu'on dirait de toi? Comment on t'aurait vu évoluer à la fin de ta vie? Tu travaillerais dans quoi? Tu te proposerais quoi comme passion? Qui auras-tu été pour nous lorsque tout aura été terminé entre nous? Je continue sur www.thecosmicjoker.fr. Si tu continues, je te dis à tout de suite. Si tu t'arrêtes là, je te dis à plus tard pour d'autres manifestes comme celui-ci si tu le souhaites. Et quoi qu'il arrive, je t'embrasse très fort. Et que Dieu te bénisse. C'était The Cosmic Joker.